Bienvenue dans le monde du Beyblade. Des Bladers du monde entier s'affrontent pour se hisser jusqu'au sommet et réaliser leurs rêves. Pour faire leur preuve, ils doivent entrer dans l'arène et trouver le courage, la force, la détermination et la victoire. À chaque combat, les Bladers avancent d'un pas et se rapprochent de leur destin. Mais seuls triompheront ceux qui atteindront les étoiles. Le deuxième round de la Coupe internationale de Bladers a démarré. Et laissez-moi vous dire que jusqu'ici, ça n'a été qu'une série de confrontations épiques. Oh. Ah, rendez-vous dans les coulisses pour les autographes. Oh. Je me suis bien amusé. Vas-y, ça tombe! Vas-y, sans crainte! Cette attaque va te laisser par terre, j'en suis sûr! Dragon éjecteur! Ah. Écrasement final! Choc marteau! Oh. Vivement que le troisième round commence! Peu importe qui j'affronte ensuite, car je vais y aller à fond les manettes! On est tous prêts pour prendre un nouveau départ. Ensemble, on est plus fort qu'avant. On va affronter tous nos rivaux. Beyblade, emmène au firmament. N'abandonne pas et crois en toi, car jusqu'au bout, nous, on se battra. Sois le meilleur, remporte le combat avec Beyblade vs Evolution. N'abandonne pas. A remporté ses deux matchs. Valt et Silas ont une victoire et une défaite chacun. Et Kuza a perdu deux fois. Seuls quatre concurrents seront qualifiés pour les demi-finales, ce qui revient à deux par groupe. Kuza, c'est trop tôt pour baisser les bras. Même pas en rêve. Quand tu touches le fond, les choses ne peuvent que s'améliorer. Si quelqu'un peut renverser la situation, c'est toi. J'en suis sûre. Excellent esprit, petit. Maintenant, examinons vos prochains adversaires. Valt, ton adversaire sera Norman Tarver. Je peux tout à fait le battre. C'est sans aucun doute un des meilleurs pilotes du Snake Pit. À ta place, je serais inquiet. Mais je suis bien meilleur que toi. Kuza sera opposé à Œil Rouge. C'est génial. Attention les yeux. Attention les yeux. Quoi? On dirait qu'un génie a réalisé mon vœu. Je vous le dis. Je vais être le premier Blader à l'avoir battu. Et devinez qui va prendre Free dans le groupe B? Toi, Silas. Plutôt que ce que j'avais prévu. Ça devait arriver à un moment ou à un autre. On doit affronter tout le monde et on est à mi-chemin dans la compétition. Toujours à couper les cheveux en quatre? Je vais te battre, tu m'entends? Comme tu veux. Fais le malin! Du calme! Garde cette impétuosité pour demain! Allez, à plus. Hein? Je vais lui apprendre le respect. Amène-toi, Rickson, on va s'entraîner ensemble. On se barre! D'accord, je vais te faire suer! Il y en a qui se montent le bourrichon. Et j'ai envie de dire tant mieux. C'est dur d'être impartial même si je les soutiens tous les deux. Il me faudra un plan de bataille pour cette course. Ouais, très bonne idée. Valt? Oh. J'ai quelque chose ici qui pourrait te plaire. Tu vois ça? Sans blague! C'est la génésie spéciale de Raoul! Cool! Je suis impatient de la voir en action, vieux. Ouais! Juste à temps pour ton défi avec Norman. Il va voir! Je suis content pour toi, mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Alors, Valt? Quoi, tu ne sais pas? Raoul sait comment nous rendre meilleurs. Dis-leur ce qu'elle peut faire. Mais c'est Strike Valtriek. Elle est rapide et résistante. Ça a l'air top! Attendez! Il y a un problème? Tu ne pourras pas faire d'attaque bondissante avec elle. Oh! Certains diront que c'est un inconvénient. Je dirais que c'est une opportunité. Pour se faire une idée, il n'y a qu'un moyen. Tu es prêt pour un match? Ouais, je suis partant. Le temps presse.
victoire de Cognite. Je dois t'avouer que je trouve cette évolution un peu décevante. C'est vrai, elle ne le prend pas mal. Pour moi, c'est une forme de sabotage. Elle rebondit beaucoup moins bien. C'est pourquoi tu as subi autant de dégâts. Il va falloir que tu apprennes à maîtriser cette énergie. En la canalisant, tes attaques seront dévastatrices. Je parie que ça va faire encore plus mal qu'un fouet requiem. Tu le penses vraiment, Kusa? Ça serait inespéré. On va trouver comment en tirer le meilleur. Encore un peu d'entraînement et personne ne pourra lutter contre Strike Valtriek. Ah ouais, j'aime quand tu dis ça. Hyper vitesse! Que s'est-il passé? C'était intense, c'est clair. Incroyable. J'ignore ce que c'était, mais il faut vraiment que tu donnes un nom à ce truc. Tu crois? Absolument, un nom cool. D'accord, mais quoi? Peut-être... Fouet Genesis? Je trouve que ça sonne bien. C'est donc officiel, et ça claque. Salut tout le monde! Bienvenue au troisième round de la Coupe Internationale des Bladers. Nos concurrents sont prêts, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Préparez-vous pour le premier match de la journée! Bonne chance! Le mystérieux solitaire, une énigme pour tous, c'est Œil Rouge! Contre ce gosse qui a le sens du spectacle chevillé à l'âme, Kusa Ackermann! J'en ignore la raison, mais quelque chose cloche. Il semble différent que lors de notre dernière rencontre. C'est pas le moment d'avoir le trac. Ressaisis-toi, mec. Tu ne peux plus faire marche arrière. Allez, Tuner, tu vas y arriver. Respire un bon coup. Tu dois dépasser ta peur. C'est donc officiel, et ça claque. Merci. Valtriek est vraiment fou de joie. Il y a longtemps qu'il n'avait pas fait un si bon combat. Hein? Et je peux te garantir qu'Alter Cognite partage le même avis. Comment tu peux le dire? Les toupies ont des voix, elles aussi. Je peux les entendre. Tu sais ce que raconte la mienne? Elle est gonflée à bloc, évidemment. Je t'entends. Et ton excitation est contagieuse. Je dois admettre... Cueil Rouge déborde d'énergie. Mais nous aussi. Hé, hey, mec, ce match sera le plus sympa de toute l'histoire. Le spectacle peut commencer. Joli, ça c'est notre Kusa. Je lui ai appris tout ce qu'il sait. Ouais, allez, Kusa. Premier combat. À vos marques, prêts. 3, 2, 1, Hyper Vitesse! Wow! Ryzen commence par une attaque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça ne fait aucune différence. Rien ne pourra nous arrêter cette fois. Propulsion éternelle! Magnifique esquive! Alter Cognite évite la collision avec son adversaire et s'installe au-dessus de la mêlée sur le parapet de la piste. C'est parfait! Bien joué! Accrochez-vous! Qu'obtient-on lorsque deux toupies aussi polyvalentes sont face à face? Une épreuve d'endurance! Oh oh! On dirait que Spryzen commence à ralentir! Exactement ce que j'attendais! Corde acrobatique! Maintenant, charge! Comme c'est cruel! Ryzen draine l'énergie de Cognite à chaque attaque! À nous de jouer! Fouet Requiem!
pas vrai. C'est Spryzen qui l'emporte avec un chaos explosif. Le vainqueur est Œil Rouge. Une victoire digne de rester dans les annales. Alors que Kusa semblait avoir le match en main, le Blader solitaire a renversé la situation dans un final dramatique. Sa puissance est-elle sans limite? Est-il réellement imbattable? Kusa... Oh, c'est la pire journée de ma vie. Je n'ai... Comment j'ai pu laisser faire ça? J'ai encore été nulle. Ce n'est pas juste. Tout ce travail pour ça, c'est un cauchemar. Franchement, ça n'aurait jamais dû se finir comme ça. On était si près du but. Oh, le pauvre. Oh. Excuse-moi, Walt. Je ne pourrais pas me battre contre toi. Spryzen était trop fort. Mais surtout, tu sais quoi? J'étais gonflée à bloc et je me suis éclatée. Moi, je n'y pense plus. Mais fais-moi plaisir et écrase Norman. Compte sur moi. Tiens, un tuyau de dernière minute. Je suis sûre qu'il a fait des recherches sur ton style. À mon avis, il t'attaquera par en dessous en utilisant le mode ascendant. Merci du conseil. Pas de souci. Tu sais quoi faire? Tu l'as dit. Fais attention, Norman. Valtryek et moi, on ne rigole pas. La confrontation qui suit va vous clouer sur votre siège. D'abord, nous verrons le jeune prodige en action, Bud Hoy, contre l'impassible blader du Sneak Pit, Norman Terber. Voilà un rival pour toi, Strike Valtryek. Ah, tu espères progresser avec ça? Comme si ça faisait une différence. Premier combat! À vos marques, prêts? 3, 2, 1, hyper vitesse! Les deux toupies s'élancent en rugissant. Twin Noctemis part en mode ascendant. Super, comme l'avait prévu Kusa. Valtryek fonce à vitesse maximum. Ça y est! Tu sais quoi faire, partenaire! Écarte-toi, évite-le! Il t'en faudra plus pour me battre. Les attaques sont incessantes, mais elles n'arrivent pas à atteindre leur cible. Norman a identifié la faiblesse de Valtryek et il veut l'exploiter. Petit malin. Ça s'annonce mal. Il faut qu'il l'arrête tout de suite. Exactement. Après, ce sera trop tard. Mais paquet, qu'on en finisse. Éjecteur surélevé. Oh oh. Twin Noctemis réussit un KO par sortie d'arène. Norman Tarver marque un point. Tu crois toujours que cette toupie était un progrès? Elle ne t'a pas rendu plus fort, mais plus faible. J'en doute. Tu vas voir. Ne rêve pas. Même si tu es en dessous de tout, je ne baisse pas ma garde. Deuxième combat. Cette fois, je vais t'attaquer en mode Colossus. Allez, partenaire, montrons au monde entier ce qu'on sait faire. Les toupies ont une voix. Je peux les entendre. On dirait que Valt n'arrête pas d'échanger avec Valtryek. À vos marques, prêts. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Est-ce une rediffusion? Strike, Valtryek a exactement la même trajectoire que tout à l'heure. Et Twin Noctemis continue à l'éviter facilement. Tu te fatigues pour rien, petit homme. Il doit changer de stratégie. Il est en train de perdre de la vitesse. Qu'on en finisse. Charge. Redémarrage Genesis. Oh ouais. Éjecte-le du circuit. Allez. Twin Noctemis. C'est maintenant ou jamais! Choc marteau! Valtryek!
marche encore une fois, c'est bon. Fouet, Genesis. Attendez, comment est-ce que... Strike Valtriek l'emporte par chaos explosif. Valtaoï gagne avec un score de 2 à 1. On a du mal à y croire. Celui que tout le monde donnait perdant a inventé un nouveau mouvement ravageur et remporte la victoire. Je savais que tu pouvais le faire. Chaque combat te rend de plus en plus fort, Valt. Tu as réussi. Oh, félicitations, je me suis régalée. Les plus belles victoires sont celles où on revient de loin. Tu sais qu'une grande partie du mérite t'en revient. Top mon 5. Tu aurais fait pareil pour moi. Ouais, c'est ce que font les amis. Ce que font les amis. Ce que font les amis. Boum Kazar avec un burst finish. Cap Baratier vainqueur. Beau à essayer, mais l'empereur ne se laissera pas détrôner si facilement. Incroyable! Louis-Nor est passé au travers d'Xcalius comme s'il n'existait pas. Louis Shirosagi est chaud comme la braise. Blast Genius l'emporte sur KO par sortie d'arène. Rainbowson a été éclipsé par le chouchou du public, Joshua Burns. C'est parti! Attachez vos ceintures car le dernier match du jour va opposer deux coéquipiers de BC Sol. Silas Carlyle contre Free de la Hoya. Oh ouais, ça va être épique! Oh ouais, ça va être épique! Devine quoi? C'est aujourd'hui que je vais enfin t'écraser! Certainement pas. Tu es fini! Ouais, mais non. Premier combat! À vos marques, prêts! 3, 2, 1! Hyper vitesse! Les choses sérieuses commencent! Wouh! Kinetic Atom gagne moins d'élan que d'habitude! Serait-ce dû à un mauvais lancement? Ah, il l'a loupé. Il est fichu. Ce gosse a énormément réfléchi à ce lancement. Hein? Quoi qu'il fasse, il ne fait jamais d'erreur. Jamais d'erreur. Ça tourne trop doucement pour espérer drainer l'énergie de papy. En fait, c'est comme si le siphonneur devenait le siphonné. Je crois qu'il a fait exprès de limiter le drainage. Nous sommes à nouveau face à un combat où l'endurance sera déterminante. La tension est insupportable. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est plutôt cool. J'ai fait sagement mes devoirs et je crois que ça va payer. Waouh, tu mérites une médaille. Les deux adversaires ralentissent brutalement. Qui peut savoir comment cela se finira? On arrive au bout de ce suspense insoutenable. Sa tombe s'arrête beaucoup trop tôt. Quoi? Drain Fafnir gagne avec un KO par dernier survivant. Free marque un point. Wouh! Le Bleeder qui domine le classement mondial s'est imposé sur le fil. C'est bien, mais continue tes devoirs. Je te mets à moins. Sa stratégie était parfaite et il a malgré tout perdu. Parce qu'il n'est pas assez bon. Et toi alors, Rantaro, essaie qu'on rigole. Comment il a pu entendre? Le sixième sens. Deuxième combat. Je sais que ma stratégie n'a aucun défaut. C'est la seule façon de le battre. Je vais m'en tenir au plan. À vos marques! Prêt! 3, 2, 1! Hyper vitesse! Sa tombe rentre à nouveau en piste avec un lancement très faible. Voyons ce que Papy a en magasin. Wow! Il l'a raté! Quoi? Intéressant! On a l'impression qu'il n'essaie même pas d'entrer en contact. Tu ne t'attendais pas à ça. Oh oh! Tombe ne pourra pas vampiriser son adversaire s'il refuse d'être touché. Effectivement, c'est bien joué ça. Free est très vive d'esprit. Bon sang, elle refuse de se saisir de la moindre opportunité. Et elle commence à être à court d'énergie. Hé, arrête de fuir, amène-toi. Qui tiendra le plus longtemps à ce petit jeu? Le suspense est terrible. On a presque mal. Que ça s'arrête, je n'en peux plus. Je transpire trop, il me faut un bain glacé. Ouais, pareil. C'est très intense. Tous les deux donnent l'impression de marcher sur une jambe. Allons-nous assister au moment de vérité? C'est pas normal. Tu peux pas fuir éternellement.
Oh, c'est une invitation. Hein? Quoi? Attends une seconde. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai mis un terme à tout ça. Drain Fafnir gagne avec un KO par dernier survivant. Free de la Hoya est le vainqueur. Je crois que ça suffit. Il quitte l'arène sur cette troisième victoire d'affilée. Je t'évite d'expédier. Tu te moques de moi? Je pourrais aller en demi-finale. Si je me laisse submerger par mes émotions, tout sera terminé. Voltriac, qu'est-ce qui se passe? Dans le prochain épisode de Beyblade Burst Evolution, Sprite